Allez, mon gros, tu vas valdinguer. Hop là. Voilà. Ça va peut-être m'en dire plus. Agent antiviral, c'est ça. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Hé. Hé, chérie. Je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Je reviens vite. C'est promis. Hé, lui pique son bracelet, là! Aïe! Même pas à dire, tiens, je vais prendre ton bracelet. Ah, rien. Alerte à tout le Nest. En raison d'un incident dans la zone ouest, tout le nord-est doit s'auto-administrer l'agent viral Devil immédiatement. Le Devil est le seul moyen d'empêcher la mutation. Si vous avez été contaminé par le virus G, demandez immédiatement de l'aide afin de cibler et de détruire les cellules G dans votre organisme. Cet email a été généré automatiquement en cas d'urgence. Ok. Donc il faut que je trouve Devil. Allez, les amis, c'est parti pour la suite de Resident Evil 2. Chérie est porteuse d'un embryon du virus G, l'arme biologique la plus dangereuse jamais créée. Furieuse qu'Annette ait pu laisser une telle chose arriver à sa fille, Claire gagne le laboratoire secret du Nest. Elle doit trouver un moyen de sauver son amie. Son ami maintenant. Voilà. On va affronter, on le sait, des petites plantes mutantes. Je sais qu'avec Léon, on avait le lance-flamme. Très très efficace, le lance-flamme contre les plantes. Mais là, je sais pas, peut-être le truc électrique. À savoir. On va s'aventurer, améliorer le bracelet. Aïe 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 aïe. Ouvre-moi ça. Il faut améliorer le bracelet. On va essayer de toute façon le truc électrique. On va savoir, ça se trouve, ça marche. Qu'est-ce qu'on a là? De la poudre. Aïe. Charge maximale! Crame ta couille! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc apparemment le truc électrique a l'air efficace en tout cas pour les mettre KO. Donc ici nous avons... Attends, est-ce que je suis... What? Il y en a un deuxième qui est arrivé! Porte couille! What? Non. Attends. Ah c'était pas le même code hein! Ah les enfoirés hein. Bah attends, on va reprendre la petite photo hein. Je l'ai bien prise la photo, ouais, t'imagines le malaise. Du coup, je suis quand même... Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez. Voilà, on passe. Alors, avec ça, l'avantage, c'est vrai qu'on les immobilise. Mais j'ai peur que ça soit un petit peu trop puissant, tu sais. Je sais pas si je fais bien, mais bon, écoute, au moins faut faire, quoi. Au moins je fais. Donc, nous avons l'espèce de petit truc comme ça, nous avons la double bear, nous avons ça. C'était quasiment pareil. Attends. Non. J'en suis... Ah, arrête. Non, voilà, je... C'était quasiment pareil. C'était pas quasiment pareil du tout. J'étais en train de regarder l'ancien code, je me dis, c'est bizarre, ça a l'air pareil. Morte coup. Voilà, et oui, c'était pas pareil du tout. Ok. C'est déverrouillé. Et là, normalement, oui, c'est vrai que nous avons une petite pièce. On va voir de ce côté-là. Ah oui, il faut ouvrir ici. Mais on n'a pas le code. Il y a un code qui est affiché là. Ah, il est pas complet comme par hasard. Ah, oh, ils sont barrés. Oh putain, eh, j'ai bien fait de faire ça. Non, mec, je suis allé plus rapide que toi là. Allez, goodbye. Alors, normalement, en dessous, je crois qu'il y a un écorché. Est-ce que l'arc électrique est bien contre les écorchés? Ça, c'est une question on s'est toujours posé dans la vie, je crois. Je crois depuis notre tendre enfance, c'est les questions qu'on se pose. Les cartes du labo, c'est impeccable, un petit peu de poudre, voilà, parce que forcément, la poudre, on aime ça. Et oh non, s'il vous plaît, pas de ça. Bon, c'est interdit au moins de 18 ans, on peut raconter des trucs de drogue et tout. Est-ce qu'il y a des bestioles, là? Ça a l'air libre. La voie est libre. Ok. Ok, impeccable. Alors, ici, ce sont quoi? Urf. Ok. Urf. Le relou. Le gros relou. Oh! Que lumière soit et lumière fût. Une petite plante verte. Ça peut toujours servir.
Ah! Comment ça, y a pas d'écorcheur? Oh! Ah! L'enculé! Ah, il m'a pris en traître. Vraiment, il m'a pris en traître. Vraiment, ça se fait pas. Ce qu'il a fait, j'ai pas trouvé ça très correct. Non, franchement, c'était pas fair play de sa part. Bienvenue, Docteur Lee. Bonjour. Vous avez 5 nouveaux messages. Ah! Oui, alors on avait déjà lu ça avec Léon, en gros voilà, il y a des trucs qui allaient pas, les gens qui se plaignaient, enfin voilà, tu sais, les gens pas contents. Ah, mais c'est là, faut que je vienne refroidir le truc. Si j'avais su, j'aurais pris ma parka. Bah oui, mais elle en avait besoin, chérie, tu penses? Si tu veux, je peux te changer de vêtements, hein, si tu veux. Donc là, c'est pas là qu'il faut que... Ah, voilà, c'est ça que je cherche. Le trophée. Parce que sur le trophée, il y a le code. Le fameux code pour ouvrir la porte. Alors lui, je l'ai cramé. C'est efficace quand même, le truc électrique. Hein. C'est efficace. Hein. Y a pas à dire, ça fait son petit effet. Qu'est-ce que nous avons là? What? Ah. C'est pas des munitions là? Non, bah vas-y, reste où t'es. Non, mais te dérange pas, t'inquiète. Je sais où c'est, je sais où c'est. Non, merde pas, gars. Oh merde! Oh fuck! Vous leur péter les jambes ou pas? Ok. Je sais pas, d'un coup il s'est mis en arrière, on dirait qu'il a, regretté. Il allait me frapper, d'un coup il a eu des remords. Ouais, bah écoute. Est-ce que... Ouais... Attends... T'as pas envie de faire une sieste, toi? Si, hein... Attends, la porte, elle est... Ah, shit... Bah écoute, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, on va le cramer, lui, hein. Ah, toi... Reste un petit peu à terre, quand même. Reste un peu à terre. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Merde, je croyais qu'il y avait un truc à faire, là. Des munitions de 45, quelle grosse merde, pourquoi tu me donnes ça toi? Note anonyme. Ils se sont tous resorbés en sorte de plainte. Ils reviennent sans cesse encore et encore. Brûlez-les! Mais ouais, mais j'ai pas de brûlation. J'ai pas de quoi brûler. T'es gentil toi. Ah d'accord, je pourrais déverrouiller là. Et ici nous revenons au point de départ, non? Ok, j'avais même pas besoin de le buter l'autre. En fait je pensais comme j'avais le... Comme il y avait ça là-haut, mais ça s'utilise pas en fait. D'accord, ok. Ouais, ça va, on a compris. Vous êtes énervé. Donc, du coup, là, on va utiliser le code pour ouvrir. Non, c'est pas là. Ah, il faut que je passe là-haut encore. Merde. Ah, mais attends, mais je viens juste de calculer un truc là. Non, j'ai rien calculé du tout. Non, autant pour moi. J'ai rien calculé du tout. Le mec, il... Non, mais je parle tout seul. Il va pas bien. Il va pas bien le pépère, c'est l'heure de ses médicaments. Alors c'est ça, c'est la petite barouille, c'est ça, et c'est les deux petites rouilles. Voilà. Ok, merci mon pote. Voilà, le drug testing lab c'est là, et après il faudra que j'aille au truc de congélation, etc. Bref, let's go. Est-ce que je peux l'esquiver lui? Apparemment. Donc là, on va mettre le petit bidule à l'intérieur. Et comme par hasard, ça va être en mode manuel. Mode manuel activé. Mm-hmm. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Ouais, ça aurait été bien quand même un petit mode auto, quoi, non? Ouais, bah écoute. Oui, non. Alors du coup, j'ai fait une connerie. C'est deux fois le petit, mais je l'ai mis dans le mauvais. Donc du coup, je vais me retrouver comme un con. Pourquoi je fais que de la merde? On va remplir le petit. Là, on va remplir le petit. Là. Non. Voilà. C'est pour ça que je me suis trompé la première fois.
ça que je me suis trompé la première fois. On met le petit là-dedans. Voilà. Après, on va échanger le petit avec le grand. Voilà. On met ça là-dedans. Et en fait, c'est que je m'étais trompé de... de fiole. Voilà. Et voilà. Twingo. C'était deux fois le petit, mais j'avais fait la bonne manip, mais sauf que je m'étais trompé de récipient pour les mettre. Mais voilà. Bah c'est pas mon fort les énigmes, je me démerde pas trop mal jusqu'à maintenant, j'arrive à les résoudre à chaque fois, on va dire, deux fois deux, trois petits problèmes majeurs, mais au final ça se résout, hein. Ça se résout mon pote. Donc là, faut que j'aille les cryonégiser. Cryonégiser. Les les refroidir. Oh les salopes, elles sont là. On va essayer de les esquiver quand même pour pas prendre de dégâts. Mais il les a esquivés comme un chef. Une heure plus tard les mecs. Ah j'aimerais bien vous voir vous. Genre les mecs ils font ça du premier coup. Ah ouais tranquille, pop hop 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 hop. Hey. Merde. Attends, j'ai activé le courant tout à l'heure, je suis pas venu là. Un couteau. On a toujours besoin. Bah ouais, pour couper la viande. Oh yes, trois trucs explosifs. Ça c'est bueno ça. Hein? Normalement on dit faut pas faire de bruit mon cul ouais. C'est là que je te crame toi. Ah fils de putain de tarme. Oh l'enculé. Regarde ce que tu vas manger là. Crame. Crame. Ça sent la viande grillée. Il y en a un autre. Ah non c'est plus c'est un zombie lui, c'est de la merde. Sérieusement. Ah t'as mal au genou. Ah les traitements gratos. C'est la maison qui offre. C'est la maison qui régale. C'est de quel côté le truc de refroidissement là? C'est à gauche. Ouais. Barre-toi. Barre-toi gamin. Et on avance. Ouh putain toi je te sens pas toi. Tu m'as l'air d'une conne qui va te lever derrière moi pour me faire peur. Oh merde il fait froid là-dedans, j'aurais dû prendre ma veste. Allez. Ça je vais le breveter ça. Regarde, tu te rends ça là, tu le vends à tous les mecs là. Tu mets ta bière dans la machine prend la bière, hop là comme ça, ça dépose la bière dans la machine, t'attends une seconde, la bière est fraîche, impeccable, impeccable. Il n'y a rien de pire que de boire une bière chaude, par contre une bière fraîche, waouh, hein, voilà. Cartouche. Refroidissement terminé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? On va les prendre. Ouh, toi tu m'as l'air... On dirait que quelqu'un t'a refroidi toi. Oh ça va. Ah. Ils m'attendent pas pour la pause déjeuner. Ah ouais. Oh le sang partout. Il est quand même bon ce jeu. Hein. On va aller voir les petites plantes là. Est-ce qu'on peut se barrer par là ou... Ça va, jusqu'à maintenant on arrive un petit peu à... Oui, il y en a un autre à gauche. Dépêche-toi, c'est bon. T'as fait ce qu'il fallait faire. Allez, boum. Pulvérisation de solution en cours. Bah ouais, une idée de génie les mecs. Une idée de génie. Oh. Une carte d'accès niveau 3. Ça, c'est ce que j'appelle désherber. Oh, le petit humour de Claire. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Ouais, je me suis autorisé tout seul, t'inquiète. Ah oui, ça veut dire que les petites bestioles sont mortes aussi. Bah ouais. Ah, attends. Je vais pouvoir reprendre mon couteau. Bah oui. Hé, merci, y'a un tube l'abîmé en plus, t'enculé. Enculé, t'en vas. Cordialement. Ok, donc là du coup, on va faire une petite combination. Et normalement,
Putain, il est revenu en fait. Oh merde, j'ai pas le choix. Shit. Et l'autre, il se fait pas électrocuter, non? Ah, l'autre aussi s'est fait taper. Ah, nickel. Oh là 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 là. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Barrez-vous, barrez-vous. Fallait bien que je passe me faire toucher. Oh, fils de merde! Tiens, toi, on... Ça fait peur, lui, je m'attendais pas. Allez, l'autre, il veut pas aller à côté, là? Ah, mais... Ah, petite grenade! Bon appétit! Alors, boîte de réception de machin, mes couilles, ça sert à rien, on s'en fout ça. Là, nous sommes dans les laboratoires Umbrella Corporation. Bon, là, on a l'accès niveau 3. On va pouvoir passer sur l'autre passerelle. C'est parti! T'inquiète, 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 on va trouver ça, fille ça, fille ça! Et on va se barrer! Voir chérie pour lui injecter, pour lui dire tiens, tout va bien chérie, tout va bien. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Ah. Une autre cassette. Ah bah voilà. AWS. Ça l'amuse en plus, le gros con. Ça l'amuse. Hein. Voilà. Et ça, j'en ai plus besoin. Allez, on dépose. On va aller regarder la petite cassette. Bon, on l'a déjà vu avec Léon, je pense que c'est la même, mais au cas où vous l'ayez pas vu. Bah, regardez, les amis. Regardez. DUG en visuel. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Je savais bien que vous viendriez. C'est le travail de ma vie. Hors de question que je cède quoi que ce soit. Nous avons des ordres, Docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Laissez-le. Fallait le ramener vivant. Oui, enfin, le mec qui prend son pouls, on pense qu'il est mort quand même là. On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre. On a dû la battre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez hop. Allez, on bouge. C'est sympa comme ça, mais c'est vrai que je préférais comment c'était sous forme de cinématique avec dans la version d'origine. Ah merde, c'est fermé ? Qu'est-ce qu'il faut mettre, là? Le médaillon! Attends un peu. Ok. Bingo. Je l'ai. Bon, prends-en deux au cas où, non? Enfin. Moi, j'en aurais pris deux, là. Vraiment par précaution. Faut que je retourne voir chérie. Ça, on avait lu, ça. Ouais, on avait lu. C'était assez glauque, d'ailleurs. Allez, on retourne voir chérie. Ça manque pas un peu de musique? Ça va arriver. Oh! Hey William! Tu arrives trop tard, mon pote, j'ai déjà un viral! Encore toi! Espèce de fou! William! Finissons-en!
quoi, ce monstre? C'était mon mari. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu as fait, William? J'ai créé ce virus! William! J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas pourquoi je... J'ai pas pu. C'était votre mari. Le pistolet alors, c'est quoi? C'est le viral dedans ou quoi? À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. C'est pas une raison pour la laisser. Oh. Allez. Monster is back, baby. La transformation du monstre, elle est... Oh là 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 là! Pardonne-moi, William. Oh la vache! Il est classe, le monstre. Laissez-le moi. Occupez-vous plutôt de Chéri. What? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ne sais pas quoi tu as à faire. J'ai eu le temps de me faire une idée. What? Heureusement que je suis bien armé, moi je pensais pas que ça allait se taper direct comme ça, moi. Je sais. C'est toi, le vent qui dit. What the fuck, baby? What? Aïe 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 aïe, attends, 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 attends. Voilà. À couvert. Oh putain. Putain, je sais pas si ça lui fait des dégâts ou pas, mais ça a pas l'air de le freiner plus que ça. Oh là là, le danger direct, quoi. Ah, les flammes, ça brûle. Dans les yeux. Ouais, ça fait rien, ça. Voilà, quand il se met comme ça. C'est un truc là. Ça sert à rien, ça. Je sais pas, hein. Oh, le... Ça peut servir, ça. Ça sert à rien. On va essayer un petit coup de taser là. Ah, ça le freine pas vraiment, hein. Allez, allez.
grenade, c'est une bonne option ça. Ok, 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 je comprends, t'es vénère. Allez. Oh, c'est bon. What? Oh la vache. Alors, c'est tout ce que t'as dans le sac, gamin. La cible est neutralisée. Ouais, bah écoute, j'ai galéré un peu. Honnêtement, j'ai eu l'impression que les trucs d'acide, ça faisait pas forcément non plus si autant d'effet, mais sûrement que si. Ah, je m'attendais pas à ça. Y'a pas un truc pour allumer le courant là? Mais elle est où chérie là? Fuck. Ah. J'avais oublié, je croyais que chérie je l'avais laissé dans le truc. Mais non chérie je l'avais laissé là. Voilà, j'arrive chérie, désolé j'étais un peu conne. Ah bah va mieux. Tu as réussi. Et la mère dans tout ça... Maman a besoin d'aide. What? Annette? Oh. J'arrive. Oh. Comment tu te sens? Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. Oh. 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 Maman? Je pense qu'elle a pris cher aussi tout à l'heure. Oh Dieu merci. Chérie va s'en sortir. Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Elle est guérie du virus G. Oh ! T'as entendu ? Ah ! Excellente nouvelle ! Elle a été attaquée par ce monstre. Non! T'en fais pas pour moi. Wesh! Emmène ma fille. Ah, accès niveau 4. Non, je suis sûre. Yes. Pardonne-moi, chérie. Pour tout ça. Ta vie est tout ce qui importe. On peut pas la laisser ici. C'est vrai, on peut pas. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4. Ah, c'est Léon ça. Ça veut dire quoi? C'est le code d'autodestruction. Il s'active si le virus quitte le labo. Claire. Sauve ma fille. Non. Elle est morte. Elle est morte, elle reviendra plus. Ah, il faut se barrer. Allez, on peut plus rien pour elle, autodestruction, t'as compris ou quoi? S'il te plaît. Écoute. Allez, écoute, let's go. T'aimais, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Dépêche-toi chérie, dépêche-toi. On aimerait rester avec ta mère pour voir ce qu'on peut faire, mais on peut rien faire. J'ai de la chance de t'avoir. Let's go, c'est pas le moment d'être sentimental. T'es sûr, énervant, t'as les moments comme ça, tu dis... Allez-y quoi, les mecs ils sont là. Ah, tiens, si on se faisait un petit café avant d'y aller, non? Attends, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est pas le moment quoi, let's go. Ça te stresse. Hein. Bon, plus d'accès niveau 4, impeccable, impeccable, allez. Chérie, tu peux marcher plus vite? Bah c'est là. Allez. Je veux pas te presser, mais on doit y aller. Prends l'ascenseur central et on y va. C'est parti, on s'échappe. Fichons vite le camp d'ici. Et chérie, t'es résistante à l'acide ou pas? Non, bah. On peut pas leur tirer dessus de toute façon. Vas-y, ça va descendre tout seul, bien. Okay.
super. Attention, séquence d'autodestruction activée. Ouh. Hey. Sympa cette petite aventure, hein. Qu'est-ce que nous avons en bas là? Claire? Oui. Oui. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour ton aide. T'inquiète pas, c'est normal. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Moi aussi, je suis contente, chérie. Mais tu me remercieras quand on sera sortis d'ici. T'inquiète, on va sortir d'ici. Compte sur moi. Allez, viens, chérie. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de compte à rebours. Ah. Voilà. Voilà, le compte à rebours est là. Chérie, cours! Oh merde, merde, merde. Est-ce que je les esquive ou pas? C'est bon, on les esquive, tranquille. Viens là, chérie, viens là. Le jeu est bientôt terminé, ouais. Le compte à rebours final. Vous savez ce que ça veut dire. C'est la fin. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Attends. Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. Oh, bah écoute. Eh merde. Dépêche-toi, chérie, parce qu'apparemment, là... C'est franchement pas le moment. C'est pas le moment, non. C'est ça résiste à l'acide ou pas, ça? Ça me... Ah non, ça brûle à l'acide. Excellente nouvelle. C'est bon, chérie, là? Tu te dépêches un peu? Chérie! Qu'est-ce qu'elle fout, bordel? Chérie! J'ai réussi! Ah ouais, comme par hasard, t'as attendu que j'utilise mes munitions, toi, hein? Coquine, là. Bien joué, chérie. Bon, ça me gêne un peu qu'il l'appelle chérie, ils auraient pu l'appeler Cheryl. Ça aurait été mieux, non? Chérie, ça fait un peu chérie, quoi. Ah bon, j'aime beaucoup l'armement qu'elle a, Claire. Mitraillette, pistolet puissant et tout là, c'est. Je suis derrière toi. Continue comme ça. Je crois qu'on y est presque. Ouais. J'aime bien qu'on puisse avancer avec la vue de ce sens-là. 8 minutes avant détonation. Claire, on peut peut-être utiliser ça. Attends, excuse-moi, je vais faire une petite combinaison là. Qu'est-ce que tu me disais? Ça vaut le coup d'essayer. Oh yes, je me souviens la plaque. Oh, c'est où qu'on l'active? Oh shit! Oh baby! Oh! Fuck! Mais par contre, faut que je trouve le truc pour activer le machin, quoi. Ah là. Qu'est-ce que tu fais? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord? Attends, tu mets pas de cinématique là? Je veux récupérer le minigun, hein! Je bouge pas. Bien. Sois prudente. T'inquiète. Oh ouais, ouais, j'ai eu peur. Là, du coup, attends, parce que j'ai peur si je mets ça. Je peux récupérer le minigun. Hein. Bon. Alors, ça fait quelque chose. Ok, ça fonctionne. Eh, tu me laisses prendre le minigun, hein. Tu déconnes pas, là? Léon? Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite! Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es toujours là? Léon? Désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi! Fiche le camp d'ici! Ok. Léon! Prends le minigun, bordel! Y'a deux places! Oh, merde! Yes.
Ah, il est où le minigun là? 7 minutes. Comment je fais pour équiper? Avant détonation. Oh, oh la vache! C'est quoi celui-là alors? Je sais vraiment pas lequel ça va être. Hein. Holy motherfucker! Oh la la, le minigun! Cours, cours, cours! Oh, l'esquive! Ah, moi je vais lancer 400 balles là! Quoi, pas là 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 là! On esquive un peu. Ouchi! Allez, dans les yeux! Dans les yeux! Oh la vache, le moindre coup que je me prends, c'est dangereux! Bouge, 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 bouge! Eh, tu vas où là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, je vais pas voir venir celui-là. Dans la minigun, hein. T'as heureusement que je l'avais parce que. Ok, ok, ok. T'as 400 balles de minigun. Il est où, il est où? Attends, j'ai pas des explosives? Merde, non. Je crois que j'ai des grenades, je crois. T'as 4 minutes avant l'explosion! J'ai pas de soin en plus, hein. J'ai des flashs. Oh! Oh la pression, mec! J'avais plus soin là, je me prenais le mandal, c'était terminé. Hein. Oh là là, et heureusement qu'il y avait le minigun, gars! Heureusement qu'il y avait le minigun! Ouh! Lourd! Très très lourd! Va bien, je suis là.
le camp d'ici. Ah oui. Let's go! C'est parti! C'est quoi ce Bruce et Léon qui est monté sur le... Wow. C'était intense, hein! C'était intense! Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Ah. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Il semblerait, ouais. À ce point? Ah oui. Claire! Léon! Je suis si contente! Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. C'est qui? Je te présente, chérie. Salut. Vache! C'était quoi? Je sais pas. Reste avec chérie, je vais jeter un œil. Fucky, fucky, fuck! Tu te souviens ce qu'il y avait à la fin du... Oh non! T'es sérieux, mec? Ouah, t'es sérieux? Tu te souviens ce qu'il y avait à la fin du scénario de Léon? C'est pour maintenant! What? Mais j'ai plus... Attends, mais... Ouais. Alors, je pense que ça, j'aurais plus besoin, mais... Non. C'est pas possible. Bah, ça, j'ai plus de munitions, sauf s'il m'en donne après. À la limite, je sais pas si ça peut servir. Qu'est-ce que j'ai, là? J'ai des poudres... Oh là là, ça sent... Et j'ai du soin ou pas, d'ailleurs? J'ai pas de soin, mec, hein. I'm in the Mouiz. J'ai des couteaux, ouais. Non, mais c'est tout. C'est-à-dire, même là, j'ai quoi? J'ai de la poudre, je peux l'associer à rien, quoi. I'm in the Mouiz. Attends. On va équiper ça. On va le recharger. Qu'est-ce qu'il me donne? Est-ce qu'il me donne des... Alors déjà il me donne une sauvegarde. C'est bien sympa. Ada est où? Mais Ada elle est morte, les mecs. Bah, désolé si je vous le spoil, mais on l'a vu l'épisode de Léon juste avant. Ah, le couteau, d'accord. Ouais, t'es un peu gentil. Je sais pas si c'est le couteau qui va m'aider, mais bon, écoute, on y va. On verra bien. Prions. Oh fuck. Ça commence à être lourd, ouais, non mais écoute, je suis d'accord. Surtout que j'ai pas de soin, mais... Parce que j'en ai encore un paquet. Ah, t'en as encore un paquet, tu rigoles ou quoi? Tu... Putain, mais merde, comment il peut être encore en vie? Oh là 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 là, vas-y, on va... Oh là là, putain, on a repeint la cabine là. Aïe, j'espère qu'il va pas me bouffer. J'ai plus de balles. Est-ce qu'on peut le flasher? C'est tout ce que j'ai. Oh putain, Léon, tu peux pas venir m'aider, bordel! Léon! Il faut détacher ce wagon! Ouais, bah aide-moi d'abord, non? Mais tu vas pas m'abandonner là?
Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais me laisse pas! Le monstre qu'on voyait à la fin de l'épisode de Léon, c'était pour Claire. Oh, lourd. Lourd. Et je commençais à être en panique, j'avais plus de balles, j'avais plus rien, mec. J'étais vraiment en little panique, là. Alors, est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Non. On est juste... En fait, on s'est rencontrés... la nuit dernière. Ouais. Ça aurait été un sacré premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez! Il peut peut-être nous prendre en stop. Oula! C'est peut-être pas que Raccoon. Emmène chérie. Viens. Le fils de pute. C'était sympa, mec. Alors, c'est fini? Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. On y va? Hé, vous pouvez m'adopter. Elle perd pas le nom, la gamine, hein. Vous sortez ensemble, vous pouvez m'adopter. Mais toi, elle va dire que... elle veut 10 000 dollars. Et maintenant, en ce mercredi bien calme, une chanson à réveiller les morts. Allez voir. Wow. Et ben voilà, Resident Evil 2 Remake. C'est terminé. On a terminé l'histoire de Léon. On a terminé l'histoire de Claire. C'est pas fini parce qu'il y a d'autres choses à faire, mais... Voyons voir. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. C'est... T'es pas sérieux? Oh, mais c'est quoi cette notation de merde, là? C'est... Ah, oh, c'est dégueulasse. Shit. Un nouveau mode de jeu a été ajouté à la section mode additionnel du menu principal. Défi hebdomadaire. Sérieux, t'as des défis hebdomadaires même? Genre? Ah ouais, non, pas non plus. C'est quoi les modes additionnels alors? Oh! Le quatrième survivant quoi! Laisse tomber le quatrième survivant! On va pas se faire ça tout de suite. On va se réserver ça pour un autre jour. Mais lourd. Donc du coup, nous voici. On a terminé pour les résultats. On a terminé la partie de Léon en normal et la partie de Claire en bis. Et comme on peut voir, on peut encore faire la partie de Claire en normal et la partie de Léon en bis. C'est-à-dire qu'on aura des histoires qui seront un petit peu différentes. Similaires dans les grandes lignes. Dans la majorité, la partie de Claire et la partie de Léon sont similaires, mais bien évidemment, il y aura quelques petites différences. Et la partie de Léon bis, qui est plus ou moins similaire à celle de Claire bis, mais dans laquelle il y aura des petites différences. Et c'est vraiment ça que j'adore sur Resident Evil 2, c'est qu'il n'y a pas simplement l'histoire. Voilà, c'est pas du genre, tiens, tu commences le jeu, tu termines le jeu, et basta, c'est terminé. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et ils le savent que les speedruns, les chronos, etc., c'est quelque chose qui est important pour les fans de la série, et c'est pour ça qu'ils te mettent à chaque fois le temps et les notations à la fin. Donc malheureusement, bah, notation C, c'est un peu de la merde. En gros, il faut le refaire. Voilà, il faut le refaire. Il faut faire la partie de Claire, il faut faire la partie de Léon, il faut finir tout ça, déjà en normal, et puis après attaquer le hardcore. C'est-à-dire que
Bah t'as encore pas mal d'heures de jeu, tout simplement. T'as pas mal d'heures de jeu devant toi pour terminer le plus rapidement possible. Bon, après, une fois que tu sais comment que ça se passe, ça va quand même un petit peu plus vite, tu gagnes du temps. Pour avoir la notation A, on peut voir qu'il faut faire moins de 5 heures, mais pour la partie bis, il faut faire moins de 4 heures. B, moins de 5 heures. Là, j'ai fait 5h30, donc j'ai la notation C. C'est un petit peu pourri. Voilà, c'est malheureusement un petit peu pourri. Normalement, ça aurait dû aller plus vite. Normalement, mais visiblement, non. Alors, j'ai mis quand même une heure de moins que la partie de Léon en normal, mais c'est vrai qu'il y a certains moments, je me suis perdu un petit peu, j'ai fait des choses, voilà, j'ai fait des erreurs, mais c'est ça, de toute façon, Resident Evil 2, tu commences une fois, tu recommences une deuxième fois, et ainsi de suite, et après, tu connais le jeu par cœur, et bam, tu fais normalement, assez facilement, moins de 5 heures. Hein, logiquement, je crois qu'il y a des gens qui ont fait des records de ouf, quoi, qui ont fini le jeu genre en une heure et demie ou quoi, c'est des trucs de malade. Vraiment, il y a des mecs, c'est des malades, c'est vraiment des malades. Mais voilà, la partie de Claire est terminée. Et quelle aventure, les amis, quelle aventure. J'ai absolument kiffé. Je trouve que ce remaster, enfin ce remake plutôt, est génial. Il est parfait. J'avais un petit peu peur au début quand j'avais vu qu'ils avaient modifié l'histoire, quand on avait quitté justement le fait d'avoir les caméras statiques, etc. Et finalement, je trouve qu'ils ont fait un travail formidable, incroyable. Autant les graphismes, l'ambiance, tout. Et le fait de pouvoir choisir entre la musique originale et la musique remake, tout ça fait que le jeu est absolument génial. T'as l'aventure de Léon, t'as l'aventure de Claire. Là, les deux combinés, j'ai déjà fait 12 heures d'aventure à peu près. Une douzaine d'heures d'aventure. Donc on va dire que pour un jeu, c'est quand même pas mal. Surtout que j'ai pas essayé de prendre trop de temps, tu vois, je suis quand même allé assez relativement vite, on aurait pu encore explorer un peu plus, surtout avec Léon, où il y a quelques petites parties du jeu que j'ai oublié de faire, un peu comme un con, mais voilà, mais au final, vraiment exceptionnel, j'ai adoré, l'histoire est absolument géniale, bien évidemment, on va continuer Resident Evil 2, parce qu'il y a des autres choses à faire, bien quand tu vas déjà dans le menu mode additionnel, on a le quatrième survivant, on sait également qu'on a le mode avec Hunk, alors c'est peut-être mode quatrième survivant, c'est peut-être lui Hunk, parce que là, apparemment, ça a l'air d'être Hunk, mais comme il n'y a pas écrit Hunk, je ne voudrais pas non plus assumer quelque chose dont je ne suis pas sûr. On sait qu'il y a le mode avec Tofu. Je pense que le mode avec Tofu, on le débloque une fois qu'on a terminé le quatrième survivant. Encore une fois, je pense, mais je ne suis pas sûr. Et après, on aura encore à faire la petite partie de Claire en normal, la partie de Léon en bis. Mais ça, je pense qu'on va se le réserver pour dans quelques jours, pas le faire tout de suite. Là, on vient de faire l'histoire de Léon et l'histoire de Claire en bis. On vient déjà de s'imprégner pas mal quand même de Resident Evil 2. Je pense qu'on va se laisser quelques petits jours de pause, histoire de, tu vois, de sortir un petit peu le jeu de la tête, et puis après reprendre le jeu pour toujours avoir vraiment le kiff de jouer, pour pas tomber dans un moment en disant on force un peu et après derrière on a une petite lassitude qui viendrait. Je voudrais pas prendre ce risque, et je préfère, maintenant que j'ai terminé l'histoire de base, me garder un petit peu ce plaisir de pouvoir encore faire le jeu, parce que là j'ai fait Léon A et Claire B. Et il y aura encore Claire A et Léon B à faire. Donc ça sera une histoire un petit peu différente, même si dans les grandes lignes très très similaire. Et derrière, je me garde un petit peu cette aventure-là pour un petit peu plus tard. Parce que voilà, j'ai pas envie non plus de tout finir d'un coup. Un jeu que j'attends depuis des années, j'ai pas envie de tout finir d'un coup. Après dire, voilà, j'ai terminé, il n'y a plus rien à faire. Je vais me laisser encore un petit peu de surprise.